Bonjour à tous. Donc, effectivement, suite à mon changement de processeur, j'ai constaté que le nouveau chauffait un peu beaucoup. Enfin, je suis pas vraiment, je suis pas un connaisseur, mais mon ancien processeur tournait au maximum aux alentours des 70 degrés, et celui-là, il monte à 83 degrés. Alors, j'ai changé de ventilateur. Je vais vous montrer de quel ventilateur il s'agit. J'ai donc remplacé mon ventilateur d'origine ici, fourni avec le processeur, par un nouveau. Donc je ne vais pas vous montrer comment on change le processeur, il y a assez de tutos sur le sujet. Je vous juste vous informe que ce système de radiateur. Donc vous pouvez l'acheter avec, ils appellent ça des pipes, je ne sais pas comment on peut traduire ça, les tuyaux. Donc il y a 3, 4, 5, 6 tuyaux, donc là j'en ai 5 pour le refroidissement, le processeur viendra ici. Et le kit pour la carte mère. Donc ma carte mère, elle a un socket AM4. Donc, il faut s'assurer, si vous changez de ventilateur, d'avoir un ventilateur compatible. Et là, on voit qu'elle est compatible AMD, AM4, éventuellement Intel. Et c'est pour ça que vous avez plusieurs kits à disposition dans la boîte. Voilà, donc je vais tenter de changer ce machin. Alors maintenant, on va faire le test. Comme d'habitude, enfin comme d'habitude, je l'ai déjà fait dernièrement. Je vais vous montrer le vol que j'ai fait, le vol test avec les informations des températures en plus de celles d'aujourd'hui. Le test est fait dans les mêmes conditions. J'ai donc tout d'abord mis sur haut, tout est haut, sauf les nuages. Sur le test d'avant, j'étais parti en haut et puis au milieu du vol, j'ai mis les nuages volumétriques, ça n'a rien changé. Parce que, donc je peux vous le dire tout de suite, la température est montée à 83 et c'est resté tout le long du vol 83, 82, 83. Donc ça n'a pas bougé, peu importe ce que je fasse ici. Le test était par rapport au niveau haut, sauf les nuages, de même que la météo. Donc pas de météo en live et uniquement quelques nuages. Et donc dans ces conditions-là, je suis monté à 83 et toujours 83-82. Donc on va voir si le ventilateur a permis de régler quelques soucis de ce côté-là et de baisser un peu la température. On va en direction de Sion. Alors on va commencer tout de suite. Ça va être la surprise. On va mettre ces informations. 37, CPU 65, 64. Bon, pour l'instant c'est bon. Alors je pourrais laisser les informations du vol précédent 10 minutes. 5-10 minutes parce qu'après c'est resté toujours la même chose. Sauf peut-être qu'on va aussi contrôler les autres informations. Peut-être que ça, la température influence d'autres éléments. Je ne sais pas. Alors on va y aller tout de suite. Déjà, c'est déjà pas mal. Voyons voir après le décollage. Range les volets.
On est sur Lausanne. J'ai oublié de mettre là, j'ai la ville en 3D. Et elle monte à 4000 pieds. Donc je ne peux pas commenter les autres éléments donc à part la température, parce que je n'ai pas évidemment j'ai pas les deux vidéos sous les yeux. Une information qui est bien sûr très importante. La température de la pièce dans laquelle je me trouve est actuellement à 30 degrés. C'est évident que si vous êtes entre 20 et 25, ça va changer les informations, ça c'est sûr et certain. Je me rappelle plus à quel moment j'étais à 83, mais il me semble que j'y étais déjà là. Donc si ça me permet de gagner 10 degrés, voilà, c'est parfait. Hein. Voilà, 4000 pieds. Non, là, j'étais déjà à 83 degrés, me semble-t-il. Et ça stabilise 67, 68. Alors il y a une nette amélioration. Descendre un peu les gaz pour sortir de la zone rouge. Là, bien sûr, il faut que je retrimme de nouveau parce que
Ouais, ça a l'air convaincant alors, hein, on ne dépasse pas les 70. Le prix du ventirad là est de 1300 bahts. Alors attends, on va regarder ça. Donc ça fait 32 francs suisses. Dans la vallée du Rhône. Je monte un peu plus. Le ventilateur ici, l'ancien ventilateur, celui qui est livré avec le processeur, tournait à 2100 tours et là il était continuellement à fond. Là maintenant il tourne à 94% actuellement. J'ai le programme là, je sais pas si je peux le. Ouais. Donc ici il y a là le CPU et il tourne à 1600 tours. Tours minutes, il tourne, mais sur la boîte, il me semble que c'est le maximum. J'ai toujours des frises à cet endroit-là. Voilà, c'est une grosse frise. Ouais, toujours au même endroit.
la carte graphique 75 degrés et le ventilateur tourne à 66%. Maintenant. La différence entre les deux enregistrements, il faut aussi tenir compte du fait que j'utilise le micro, que je fais un enregistrement audio en plus, que je n'ai pas fait la fois passée. Pour la science, c'est très simple, on va au bout là-bas. La montagne tout au fond, et à ce moment-là on est à Martigny, on tourne à gauche et on arrive à Sion. À savoir pourquoi j'ai ces machins de la carte graphique qui apparaissent là de GeForce Experience. Là, j'ai mon ventilateur là qui est à fond maintenant. Du processeur. Et redescend de 94%.
Là, on est monté à 72 degrés. Ça fait gagner en tout cas 10 degrés. Intéressant de voir aussi la mémoire qui est à 10 mégas de mémoire. Donc j'ai 16 de barrettes de 8. Et il me semble qu'on était à 12 avant, et redescendu à 10. Alors on va tourner dans la vallée ici. Et au bout en face, on a l'aéroport de Sion, après la montagne, la dernière qu'on voit là sur la droite. Après la montagne, on fait un léger virage à droite et on est sur la piste. Alors le tout c'est de savoir sur quelle piste on va les poser. Cessna Hotel, Sierra, Foxtrot Lima Alpha is 12 miles southwest, 3,900 feet with whiskey to land. Cessna Hotel, Sierra, Foxtrot Lima Alpha Sound Tower. Altimeter 29er, decimal niner, 21267 at 4. Enter right downwind runway 25. 25, donc c'est dans l'autre sens. Enter right traffic runway 25 Cessna Foxtrot okay. Lima Alpha. Donc là, on va descendre à 2800 pieds environ. Et on va ralentir, passer le long de la piste et puis donc on va en arrière, tourner en base et en finale. On va commencer à descendre à 2800 pieds. Travail de la mémoire, vous voyez, des 10 mégas descendus même à 9 de temps en temps. C'est curieux tout ça. C'est un peu les gaz.
piste en visuel. À côté de la piste. On va sortir un cran de volet. Voilà, on va avoir l'autorisation de l'ATC. On arrive au bout de piste là, plus ou moins. Voilà. Deuxième cran de volet. Et au niveau normalement plus ou moins de l'hôpital, bâtiment qu'on voit devant à peu près à 11h. On va faire notre virage. Attention à la vitesse. Basilique de Valère devant, château de Tourbillon. Les gaz parce que je pense que je suis un peu haut là.
Alpha Foxtrot Lima Alpha, turn next taxiway. Ah, loupé, tapis. Foxtrot Lima Alpha, turn next taxiway. Cessna Foxtrot Lima Alpha, contact ground on 121.705. 121.705 Cessna Foxtrot Lima Alpha. Voilà, ben, c'est concluant pour mon ventilateur qui m'a fait gagner plus que 10 degrés. J'étais à 83 tout le long du vol, là on a vu 72 quelques temps, mais ça a tourné plutôt autour des 70. Donc voilà. À bientôt.